Yo tout le monde, c'est la Fauchère et aujourd'hui on va moissonner. Salut tout le monde, bon plus sérieusement, on se retrouve pour l'épisode 5 de Resident Evil 3 Nemesis. On y va, c'est parti. Donc on s'est arrêté ici et on passera par là. Je suis en forme aujourd'hui. Allez, on met le turbo. On avait récupéré le mélange, on avait récupéré un lance-patate, une manivelle, on avait mis sa race maudite à toute une bande de zombies dégueulasses. Là, on va faire le mélange de cette saloperie que j'ai récupérée dans ce labo, je ne sais pas trop ce que c'était. Dans ce dépôt de Umbrella, je ne sais pas. Voilà, allez, on va repartir en centre-ville. Un peu plus vers le début. Je vais utiliser cette manivelle pour récupérer... Pour récupérer de la munition. Je viens complètement de me fail. Oh, mais alors bien. Je suis pas à demi-mesure, hein. Pas lubrifié, moi, je veux garantir. Allez, c'est parti. Ah non, il va pas y avoir ce gros enculé là. Non, ça va. Ils vont moins me foutre des chiens ou une connerie dans le genre. Non. Ah les bâtards, on rappelait plus de celle-là. Oh, je viens de faire une crise cardiaque sur ma chaise là. Ah le... Enculé. Belle, toi, c'est garanti. Ah, allez, les gars, culé, gros. Oh. Ah, j'avais pas sursauté comme ça depuis Slender, tiens. Honnêtement, je me rappelle plus de ce qui va se passer. Voilà, c'est fait. Je préfère être prudent avec ces saloperies. Quitte à user des bastos de pompes, c'est pas grave. Les Corvax, c'est des horreurs à avoir. Est-ce que celle-ci va se casser comme l'autre? Eh bien non. Elle est scandaleuse pour horreur, un rideau métallique. Voulez-vous prendre des grenades? Non, pas du tout, non. Moi je trouve des grenades dans la rue en période d'apocalypse, on me demande si je veux les prendre. Non. Voilà. Quelle question. Allez, on a tout bon. On se casse de là. Je vais les poser. Ce demi-tour, il fonctionne jamais. Chaque fois que je veux le faire, je me faille au moins 3-4 fois. On aura notamment noté, très français. Ça, c'est du grand faucheur encore.
Car vraiment, dans Resident Evil, ça se base vraiment sur les allers-retours, aller chercher des items, repartir, revenir par là où on est arrivé, etc. Que ça. Mais bon, c'est quand même un système qui a fait ses preuves durant les années, c'est un système de jeu qu'on aime bien. Qui saute par la fenêtre, ces machins qui pètent des forêts, merde, ça se fait. Oh non. En fait, j'ai pas sauté à l'intérieur parce que ça sert à rien déjà, à part perdre de la vie pendant le saut. Et au fond du trou, il y aurait eu une espèce de gros ver dégueulasse qu'il va falloir que j'affronte incessamment sous peu, donc ça sert à rien d'aller le semi-affronter pour en plus dépenser obligatoirement de la vie. Et dépenser surtout des bastos parce que ce machin est sacrément résistant. Garde pour plus tard. De toute façon, on va y passer. Donc. Soyez pas pressés. On y sera très vite. Bon, mais il n'y a plus qu'à aller au train. Maintenant qu'on a tout, on peut se barrer. C'est parti, la fuite. La fuite, messieurs, dames. La fuite de Raccoon City. Ne te mange pas les murs, toi. Pendant que je suis en train de vivre un moment totalement épique avec mes chers abonnés. Et voilà, des belles grenades à l'azote. Ouais, on va en avoir besoin, effectivement. Vous comprenez pourquoi je me dépêche, hein. Allez. Il faut en faire. Je vais même sauvegarder, pour tout vous dire. Je vais même sauvegarder. Car là, c'est fini. On va se barrer et on n'aura plus accès à une salle de sauvegarde avant un petit moment. Hé,
et bien sûr en sachant qu'avant de me barrer de Raccoon City, ils vont pas me laisser faire comme ça, vous vous en doutez bien. Cela va de soi. Non, je voulais pas faire ça. Allez, on récupère nos items. Alors, je vais quand même prendre ça. On avait déjà branché le câble, il me semble. Ça, on avait déjà fait. Allez, ça vous dirait une petite balade en train? Accompagné de deux bons gros bonhommes bien virils avec des mitrailleuses. Go! Bien entendu. Voilà. Vous comprenez mieux d'où mon intérêt pour ces putains de grenades ? Pas bon le gros. Allez, je me casse. Voilà. À quoi a servi tant de débâcle avec mes poudres? Je m'en fous plein le nez. Pour pouvoir avoir ce magnifique joujou. Qu'un temps soit peu soit dit, c'est de la bombe ce truc. Allez, c'est parti. Ah putain. Ah oh, la crédibilité du truc. Vous aussi, quand vous tombez, vous faites un cri de jouissance. Moyen. Ça me fait penser au vieux film à Clara Morgan. Ah, j'ai rien dit. Regardez, il y a même un phallus qui va nous dire bonjour. Ah, je vous ai pas menti. Ouais, c'est là que ça va devenir drôle. Non mais vous voulez rire, ça c'était pas le combat contre... Voilà, ça c'était encore un demi-combat contre cette merde. Allez. Quoi? Bah qu'est-ce qu'il y a? Ah, ouais, d'accord. Autant pour moi, hein. Oh, c'est pas vrai. Allez, passe-moi cette échelle, on se barre. Thank you.
On est comment, hein? Ouais, ça va. Ah! Saloperie de mur. Est-ce que je te bloque, moi? Non. Bon, alors laisse-moi tranquille. Oui, je parle à un mur. Et oui, je parle à un mur qui est dans un jeu. Et oui, je parle à mon écran. Qui a dit que j'allais bien, de toute manière? Allez, là, donne-moi ça. On met l'huile. Et on met le câble, le fusible. Et on est bon. It looks like we're ready to go. Ah oui, mais pas grave. Here, pour take this. Ah, oh, monsieur est sentimental. Okay. Nikolai won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. C'est la seule chose qu'il sait faire après plusieurs heures de jeu. Voilà. Je comprends qu'il soit pressé, le garçon. It's looking good. Mais bien sûr, tout le monde sait démarrer un train. Une formation de mercenaires, tout le monde le sait, ça vous apprend à conduire un TGV. Voilà, donc pour une reconversion ou pour un centre d'apprentissage, apprenez à devenir mercenaire. Tuez des gens et vous aurez un avenir dans la SNCF. Oh là là. Mikhail ! Il a au moins rencontré Katsumi pour faire un hurlement pareil, ce genre. Grenade atomique, chers amis. Grenade thermonucléaire. No, the brakes are out. Ça suffisait pas de se prendre un Némésis qui nous en met plein la gueule, le truc explose, maintenant je sais pas quoi. On n'a pas le choix. It's useless. Aucune allusion. C'est trop facile, gamin. Ah ben on n'est pas beau, hein. On n'est pas beau du tout. Hein. Et nous voici en périphérie de Raccoon City. Eh, ça commence à partir en sucette, hein. Ça commence à partir en couille. Tu fermes ta gueule.
Ah, que c'était difficile. On dit comment elle t'a poussé ça, quoi. Ouais, du coup, vu que je suis arrivé par là, non, je vais avoir une salle de sauvegarde bien plus tôt, en fait. Bien plus tôt. Voilà. Pour le moment, on en a plus besoin. Par contre, on va faire une belle sauvegarde. Ça, je suis pas contre du tout. Bon, cette clé, je sais pas si elle va nous servir à grand chose, mais on va la garder parce que je m'en rappelle plus du tout. Ah bah voilà. Alors comment on en fait si on arrive de l'autre côté? Both managed to survive. Maybe we can start helping each other again. Yeah, it's been rough. But we can rest now. No, we're the only ones left. There's no rest for the wicked. Comment tu le sais, toi? Tu les as vus, les derniers? Here's a gift for you. Wow, ça commence à partir en porno. Oh mon dieu. Musique romantique, ambiance tamisée, de la moquette au coin du feu, il manque le feu. Je crois qu'ici il faut la clé Chronos, voilà, c'est bien ça. Oui, je ne me rappelle plus de cette énigme, mais elle est après. Ah ouais, j'avais besoin. Alors, instruction de l'équipe éco. Ok. Sans déconner, depuis le début on l'avait pas remarqué, c'était le moment de le dire. Oui, oh mon dieu, mes oreilles. Mais ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Non mais ils sont sérieux là. Ah, ferme-la. Parce que c'est bas, haut, bas, bas, haut, bas. Qui est en fait l'inverse de ce que nous venions de voir un instant pour reproduire, vous l'avez compris, une mélodie sur un appareil.
Que tu es grosse. Oh non, oh non, pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça. Non, surtout pas. J'espère que je ne l'ai pas été. Non, ça va. Je parlais d'empoisonner. Même s'il y avait des herbes bleues ici, elles ne me seront d'aucune utilité si je me fais empoisonner plusieurs fois, donc autant... Voilà. Oh la guerre atomique. Fou. Ah oui, celle-là, je m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout. Pas un dernier. Oh, des grenades. Oui, parce que c'est vrai qu'à la base, je ne sautais pas par la fenêtre du tramway. J'ai utilisé le frein d'urgence, ce qui fait que j'atterrissais dans la cour et je me fightais contre quelques corbeaux. Et ici, normalement, il y avait des zombies. Que fais-je, voyons. Oh, totalement crédible. D'accord. Oui, vous avez compris, hein. Je vous fais pas un dessin. Désolé pour ce temps perdu. Mais bon, c'est sûr qu'il faut les ramasser. Hein. Surtout qu'on va passer en Nemesis version 2.0, donc il y a intérêt d'être bien muné. C'est moi qui vous le dis. Et putain de merde, il faut sauvegarder. Et même, je dirais, plus vite que ça. La clé de la réussite contre le Némésis, c'est la préparation. Donc, si je me presse, je vais me faire tailler en miettes, mais alors bien. Et le but n'est pas là. Lance-patate. Nous avons tout ramassé. Nous avons tout, nous sommes donc prêts. Cola, vous le faites pas ça. Bon, ça sert à rien de garder tout ça sur soi. On va aller poser le pistolet. Puisque honnêtement, pour le moment, il me sert strictement à moins que rien.
Autant garder des armes puissantes et utiles en main, tant que les munitions me le permettent. J'en suis heureux. Regardez, il y en a un qui fait dodo. Il est mignon. Tu peux rien contre Jill la guerrière et Faucheur le barbare. Le shooter barbare, c'est pour moi. Et je ne sais absolument pas. Oh, la belle affaire. Je me demande d'ailleurs si ça servira à quelque chose de ramasser ça, parce que bon. En fait, il n'y a strictement rien ici. On va laisser ça là. S'il va falloir qu'on revienne. Je vais laisser les herbes ici pour l'instant. On peut rien à faire à ces saloperies, c'est pas la peine. Je vais user des cartouches pour quoi? On sait même pas où est la red box à ces saloperies. Ah, ça commence à devenir intéressant. Il y a une cavité, voulez-vous y insérer un objet contendant? Bien sûr que oui. Bah oui, c'est ça, fais comme le reste, fais comme ta femme, jette-la, on en a rien à foutre. Pas comme si t'en avais quelque chose à branler de toute façon. On est gâté. Ne soyez pas pressé. On va s'en occuper. Oh, it's real. Donc, nous avons dit haut, bas, haut, bas, haut. Haut, bas, haut, haut. Pas mal.
champion. Bon, c'était pas dur, hein. Mais quand on a 10 ans, c'est difficile. Voilà, parfait. Et vous savez quoi? Hop, on va ranger ça ici. Ça par là. Autant pour moi. J'ai oublié ceci. Pour pouvoir faire une petite sauvegarde. Arrête de te prendre des murs, on sait que t'aimes bien les barreaux et compagnie, mais arrête un peu, femelle. Putain, c'est sexiste, hein. Et chers amis, pour l'épisode 5 de Resident Evil 3 Nemesis, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu du sexe, du sang, de la drogue. Enfin, en gros, vous avez vu Nemesis se faire exploser la gueule, vous avez vu des araignées, vous avez vu des trucs bizarres et épiques. Je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. À la prochaine les gars, salut!